Mesdames, Messieurs, chers amis, je vais m'adresser à vous pour la dernière fois de cette campagne électorale des élections législatives. Nous sommes le lendemain du premier tour. Je veux remercier les 5498 électeurs qui m'ont apporté leur suffrage. Nous sommes dimanche confrontés à un choix entre deux candidats, l'une candidate du Front National, l'autre candidat d'En Marche. En ce qui me concerne, je vous rappelle que ma motivation pour engager ma responsabilité dans ce débat était de faire en sorte que le Front National ne gagne pas ces élections. Je ne vais pas changer d'avis. Et donc, je vous le dis, dimanche, je choisirai, comme je l'ai toujours fait, comme je le ferai, les valeurs de la République. Vous êtes libre de votre choix, vous êtes responsable, je ne me permettrai pas de vous donner des consignes, mais sincèrement, je ne crois pas qu'une candidate du Front National apporterait quoi que ce soit de positif à notre territoire. Voilà une belle campagne qui se termine. Nous avons présenté un programme. J'ai été entouré de citoyennes et citoyens fortement engagés et vous comprendrez que je les en remercie. Ils ont donné de leur temps, de leur passion, passion que je partage pour nos convictions, bien sûr, que je n'ai pas abandonné à aucun moment, mais aussi pour notre vie quotidienne dans ce territoire de l'Avesnois où je vis avec vous, je vivrai avec vous, où je continuerai à m'engager parce que vous, vous êtes au cœur de mon action.